Je m'appelle Jérôme Redrer et je suis Montrougien depuis 30 ans. Et c'est une ville qui me plaît parce qu'elle est complète, elle est agréable, tranquille. Cependant, il y a certains points que l'on peut améliorer et c'est pour ça que j'ai émis un projet pour Montrouge. Alors ce projet, c'est dans un premier temps un parking pour deux roues motorisées, une place qui soit dédiée au lieu d'être anarchique, qu'elle permette à des motards ou des conducteurs de scooters de pouvoir se garer à ces emplacements prévus. En plus des arceaux moto, à certains endroits, il est important de mettre beaucoup d'arceaux vélo. Il y en a déjà pas mal dans Montrouge, mais il y a des endroits où les cyclistes accrochent les vélos au mobilier urbain, ce qui fait que ça gêne beaucoup la circulation pour les piétons et surtout pour les personnes en fauteuil roulant. Alors, cette place présente l'avantage que les piétons n'y passent pas. C'est-à-dire que les piétons, ils contournent, ils restent au bord du trottoir, mais jamais ils passent à l'intérieur de cette place. Donc, ça laisserait la place pour faire à peu près deux rangs de parking moto, tranquille pour les motards et tranquille pour les piétons. Et puis, ça éviterait aussi que les motards aient envie de s'installer sur des places pour les voitures, parce qu'il y a dans ce quartier beaucoup d'entreprises avec des gens qui viennent à moto et donc qui cherchent des places et qui n'ont pas forcément des places de parking dans leurs entreprises. Et donc là, ça pourrait être un lieu qui soit relativement pratique pour eux. Mais je sais qu'il y a d'autres endroits où on peut envisager ce genre d'arrangement ou d'aménagement dans la rue.